Bel français, il y a un monde qui bien travaille avec ça. Alors, c'est avantage, on est bien le chef. Et le monde qui travaille avec ça, bien travaille avec ça. Ce que d'être là bien monté. Mais Texas est développé des bagailles qui tellement intéressent les populations hein, sur le plan politique, sur le plan historique, que font question qui vient dans faute dans Texas, personne ne va pas. La question politique qui traite dans Texas, d'ailleurs 2 jours après, nous pourrons voir si ça a un camouflet. Parce que les Blinken passé ici. Monsieur Mandé, il dit qu'il pourrait le faire transférer de mission multinationale là en mission de la paix. Ça qui politiquement est visiblement impossible. Malheureusement, sénateur Leblanc a repris ça devant l'Assemblée. Et 2 jours après, la réalité va rattraper tout le monde. Parce qu'il n'y a pas aucun moyen sur le plan politique pour les États-Unis être capables de réussir. Ça qu'il était passé 2 ans à essayer de faire avec Ariel, il n'est pas arrivé à faire une mission de la paix passée dans l'ONU. Il y a une opposition et la Russie et la Chine. C'est peut-être ça fait qu'il était en option dans une mission multinationale sous compte des États-Unis sans la participation de l'ONU. Et maintenant, qu'on est totalement anachronique, bagaille au ils ont essayé de faire le déploiement, ils n'ont pas marché. Ils ont même reconnaître encore, ils n'ont pas capable de financer. Ou bien, ils n'ont pas de financer. Donc, c'était maladroit que Haïti, lui-même, a demandé un bagage que le patapcap a obtenu dès le départ. Donc, le discours, un bel discours, par exemple, ou pas en même temps sur le plan historique, ou pour réclamer, ou pour reprocher la France, saleté fort de la colonisation, d'être quelqu'un. Et puis, il y a 5 membres du Conseil de sécurité, probablement même la France, pour approuver une mission qui pouvait venir à Kayou. Il était politiquement illogique. Donc, là, après, comme depuis Haïtien, attendez, Haïtien, ça y est, les cas légers, dans le jeu blanc, ils sont contents. Et puis, ils pas font discours, une requête publique, une demande publique qui fait un discours. 2 jours après, ils ont jeté la requête là. Est-ce que nous sommes capables de parler d'incohérence dans le discours? C'est justement, c'est incohérence. Alors, comme vous avez dit qui est intéressant, par exemple, monsieur pose problème racisme les États-Unis, qui effectivement, Trump a fait une campagne électorale. L'obtenir de bail, c'est ça les arguments de surface. C'est sorti à un métendé. Sorti à un métendé avec une retirée logique. Pour analyser fond question. Par exemple, fond question, c'est qu'elle demandait pour transformer mission multinationale là en force de l'ONU, en force et de la paix, ce qui n'a pas été fait, c'est le contraire qui a été fait 2 jours après. Ok. Est-ce que vous-même, ou t'as, alors, déjà, pas avant ça, là, on a parlé de transformation. Mission multinationale là, en mission onusienne, c'est qui approche pas ou par rapport à la question ça. Mais c'est une blague. Depuis les Blinken, des blagues là-bas. Les Américains n'ont pas aucun moyen politique pour être capable de faire ça. Au contraire, pour moi-même, c'est ça, c'est une reconnaissance d'un échec. Parce que c'est les États-Unis qui te goumen pour te faire mission avant ça. Parce que justement, il y a une difficulté pour le faire passer comme une mission de l'ONU. Il faut que même fin déployé, les mêmes qui te dit la financer là, alors nous connaissons une menti. Blinken n'a menti. Parce que c'est. Ils n'ont pas voulu dépenser l'argent, les Américains n'ont pas voulu dépenser l'argent pour supporter la mission. Parce que avant, c'est les mêmes qui te reconnaissent que. Et, il n'y a pas de cap bénin mission de la PA, la met des missions en lui-même et la financer. C'est après ça, Alvinoué, chaque fois, il y a devant le Congrès n'a pas voulu accepter le BICOM. Et c'est menti, il y a des fonds spéciaux dans le CIA, dans le Pentagone, pour financer des missions que les Américains voulaient financer.
par exemple, le Congrès n'est pas d'accord avec le conseil de COP qui a voulu en Ukraine, mais il y a des milliards quand même pour voir en Ukraine. Donc si vous voulez aider Haïti, vous avez fait. Donc les choses sont son tintin, vous avez raconté là. Malheureusement, les gens en Haïti n'ont pas assez de recul, ou bien ils sont trop impliqués, ou bien ils sont totalement désespérés. Ils ont répété ça à Blanc-Déry, mais depuis le Blinken, ils ont dit que ça n'a pas fait. Pas grand cas pour passer dans l'une, comme de fait, il va passer. Alors, colonel, mais nous remarquons que le Conseil de sécurité des Nations Unies a prolongé le mandat de mission multinationale pour un an encore. Les Américains n'ont pas même fait une requête là lui-même. Ils ont prolongé, ils ont accepté que la mission ça qui là, ils n'ont pas pris tirer, ils ont quitté là. C'est l'homme qui s'en va battre nous avec. Rien du tout. Ok. Depuis plusieurs jours. Et faute là, ce n'est pas bon côté étranger, non? Ok. C'est bon côté pas nous. Comment expliquer ça? C'est Gary Conny qui a joué le rôle chef de guerre, non, bah, il n'y a pas connaître, il n'y a pas métier. C'est pas profession ça. Et puis il a essayé de faire des bagailles. Mais en plus, il a fait vieille politique qui occupe de l'affaire pays. Et moi, pas quoi que mon qui l'a eu, ni Gary Conny, ni CPTA, ils voulaient préoccuper de l'affaire sécurité. Non. Dans la tête, ils ont quitté le. C'est blanc qui est fini. Là, il a dégagé, or, il n'y a pas. Alors, nous avons venu sur la question de Gary Conny depuis plusieurs jours. Alors, depuis avant le voyage président conseil présidentiel là, pour aller aux États-Unis pour aller participer à la 79e Assemblée générale des Nations Unies, fait qu'on a gagné un malaise entre CPTA avec l'équipe gouvernementale, équipe PM Gary Conny. Gagné un porte-parole primature qui est intervenu, qui dit jusqu'à présent, pas gagné un malaise. Comment vous comprenez ça? Est-ce que selon le constat, pas gagné un malaise vrai? Mais quand... c'est pas tripotage, je ne vais pas gagner un malaise correct. Ou un bill monde fou, et même équipe monde, qui a même qualité tête que des qui étaient beaucoup derrière lui, et qui voit que Gary Conny un petit peu son ambitieux, livré, il a un même pouvoir absolu. Et puis le bon pile mon fou grave encourager le même gentil mettre là avec petit monsieur qui a penché tout au niveau et t'a encouragé Ariel faire comprendre que pas bien bicéphale et il a cap faire élection quand même depuis bain un petit poste dans CPT et il a venu il a élargi HCT et il y a chose tout bon pile mon comme ça qui a encouragé un monde qui chef dans la bêtise parce que ouais c'est ça chef là t'a aimé. Donc, Gary Conny a une maladie chef, absolue. Donc, tout le monde a fait, ce n'est pas tripotage, c'est manœuvre. Le monsieur maintenant tête, il a jeté les nègres, ou bien il a neutralisé les nègres, et puis lui-même, il est papa chef, quand pour François Duvalier. C'est pas tout le monde. Premièrement, monsieur Patrick, nous avons une condition pour être nommé le premier ministre. Tout le monde a nommé le premier ministre. Donc, il pensait le bon pied sous couillot. Et puis, Kounia a fait une série de manœuvres déloyales. Parce que, quoi faire une manœuvre politique en Haïti, c'est pas grave. Mais, qu'on va le mettre en bagaille, une initiative devant la scène mondiale. À le mettre un président sans difficulté, ou non, c'est pas une délégation, c'est deux délégations. De Haïti, parce que, Gary Conny fait pour te connaître que ça n'a pas marché. Mais tellement qu'on est que les mépriser les gens, les mépris pour les gens dans CPT d'abord. Surtout, genre, tout est voté pour l'IA. Donc, les qu'on est que c'est patron les gens dans la tête. Les gens qui sont imbéciles, qui sont côté, qui délinquants, qui sont bons qui sont côté, qui sont courageux dans ça, faire un acte trivial au niveau international. Et puis, qu'on y a, il y a un petit peu de temps pour les gens qui prennent une faute. Non, ça a été quoi? Ils ont fait bail là. Bail là, il y a des répercussions. Les États-Unis écrit, sénateur Leblanc, dit qu'il y a une délégation déjà. Là, il n'y a pas de bail sécurité pour des délégations. Donc, c'est quand vous avez écrit l'État, c'est fou ou des fous. C'est menti ou t'as bail. Donc, Gary Conny font bail tout le monde. Et que moins d'eau. Parce qu'un délinquant, c'est qui ça? C'est un monde qui. Qu'on est en bas et pas ça, les poser à la quand même contre la loi. Donc, ils font délit. Donc, c'est ça, ils font. Et puis, ils viennent mettre des pays à nos problèmes qui n'est pas nécessaire. Alors, parle. Et non, monde. Même non, monde, ils t'a aimé. Même non, monde, ils n'ont pas de certitude que les gens viennent vis-à-vis, ils publient. Ils n'ont pas rien à faire ça. Alors, il y a des gens qui parlent de coup d'état classique
Est-ce non, ça vient pas coup d'état. Ça, c'est stupidité. Stupidité, bah, Haïti, moun. Dès qu'il y a une maladie, chef. Maintenant, yo fait quoi? Quoi fin passé? C'est les Américains qui sont dénoncés, monsieur. Ok. Parce que c'est le département d'État qui a écrit. Parce que vous connaissez ça, monsieur Vert, pas ça. L'air écrit le blanc. Je dis, il n'y a pas de assurer la sécurité parce qu'il y a une délégation déjà. C'est dénoncer, dénoncer ça qu'on y a fait. Parce que même, il y a une norme, il y a une règle. Il y a monsieur Fonbaya normal. Il n'y a pas de mettre tête dans un conflit diplomatique. Il a averti le sénateur Leblanc que il y a une délégation qui a la sécurité déjà. Il n'y a pas de délégation de sécurité. Et automatiquement, il a réduit ces situations. Et qu'on y vient prendre pause, c'est un bon, on est grand, on est grand, je vais me d'abjurer. Je vais être pour tout bon. Et vraie délégation, c'est DLD fait déclaration, ça, il dit non, c'est sénateur Leblanc qui est un chef de délégation. Si c'était ça, le problème n'est pas là, je me pose. Je vais peut-être que faire des avions, ouais. Et intervenant dit ça. Son bail diplomatique, les son bail qui relève de la présidence. Point. Alors avant de finir avec question ça, il y a plusieurs professionnels dans le domaine qui dit n'en place conseiller présidentiel, si c'est eux-mêmes, depuis même semaine, PM n'a tout ministre affaires étrangères. T'as déplacé ou t'as tourné civil? C'est pas PM, non. Il n'y a pas besoin de parler de ministre. Le ministre n'a pas responsable. Le ministre son soldat, lui, il recevra l'ordre de mon lit là pour l'obéir. Tu bail les connu, ministre. C'est ministre. Ministre font faute. Parce que les ministres sont hors illégal. Qu'on n'y a pas le droit en tant que premier ministre faire délégation. Maintenant, les ministres ont reçu l'ordre, ils font pour aviser la présidence, mettre l'instruction de recevoir qui ça pour le faire. Parce que affaires étrangères sous responsabilité présidentielle directement. Maintenant, ce n'est pas le ministre. C'est Gary Gouni. Non, non, il est normal. Gary Gouni fait voter nous mon premier ministre pendant l'autre bois l'Elvini, il va même qu'il était ramassé par ici. Justement, et laissez Voltaire, tu fais une déclaration, je cite, il dit que des têtes vont tomber et après que les sorti. Et d'après l'information que nous avons, il y a un conseil président, c'est la Téchita, pour être capable de poser question à laissez Voltaire pour être capable de faire qui raison qui cause stupidité, ça a été fait dans l'Assemblée générale ONU. Et d'après l'information qui recueilli, monsieur a eu deux choix. Ce soir, il a révoqué Mme Dupuis, et qui s'est mise à faire étrangère, ou du moins, comme un dossier qu'on a là, tout qu'on a fait en lobby pour Edgar Leblanc fils, il a décidé par rapport avec le rapport ULCCA pour qu'on sorti, pour faire Edgar Leblanc continuer comme le président AI pendant 6 mois encore en place, maintenant qu'il était supposé en place le 7 octobre. Qui sont pensés de demain ça? Écoutez, si vous avez révoqué Mme Dupuis, c'est un acte de lâcheté. Si vous avez révoqué Mme Dupuis, c'est un acte de lâcheté. Parce que Mme Dupuis n'a pas levé pour compter pour la faire gros service. Ça. C'est connu qui fait des ordres là. Si vous avez gagné, vous avez quoi dans la présidence tout bon? Déjà, il n'a pas fait pour te nani, après le Chita vient poser des questions. Il a été tout simplement nommé un autre premier ministre. Donc, pour qu'il n'y ait pas besoin de révoquer madame. Non. C'est le premier ministre qui a fait. Là, il nous a mis l'autre premier ministre. Et dès que nous a mis l'autre premier ministre, le gouvernement est tombé. Et qu'on a après le reformuler le gouvernement, j'ai oublié. Et c'est quand je m'attendais que mon capti. Et CPTA, et celle bas ou pas ou non, avec une présidence dans n'importe qui pays. D'ailleurs, pas besoin de faire aucune cérémonie pour révoquer les conditions, sont arrêtés, ils n'ont publié. Et puis pour tout sortir dans l'affaire, les opérations sont arrêtées, il faut que tout le ministre vienne rentrer là-dedans. Ils sont arrêtés. Arrêtés de nomination pour le ministre sont actes présidentiels liés. Moi-même, comme citoyen, comme politique, comme responsable d'un parti politique, et comme analyste, si vous avez révoqué Mme Dominique Dupuis pour bagay ça, c'est un acte de lâcheté. Si vous n'avez pas révoqué le Premier ministre, c'est pour vous pas révoquer personne. C'est pas la blé dit que ça se dit, c'est vrai. L'autre dit que PM Gary Koni pense que lui est sous tête tout le monde. Si vous n'avez pas révoqué Gary Koni et il y a un petit poussière, c'est la blé dit que Gary Koni est au-dessus de conseil là? Non, mais c'est une illusion. Un Premier ministre, c'est un monde qui nomme pas un arrêté présidentiel.
depuis que vous avez arrêté présidentiel, vous avez mon l'autre premier ministre. Avant un monde qui ou chef ici, et vous avez un blanc à vous, nous pas songer à Ariel Henry. Je ne vais pas dire que Ariel Henry a tombé quand même. C'est des choses qui sont là. Si, bon, pas qu'il y a un CPT, il y a même des cas qui continuent à exister. Parce que une faiblesse CPT à tout, c'est que vous commencez à violer les règles dès la première fois que vous rentrez en action. Première règle, vous violez, vous acceptez le principe, faire une résolution pour vous changer la méthode pour vous prendre une décision. Vous définissez prendre une décision, c'est 7 juillet, un monde qui a une majorité de 4 personnes. De prendre décision, c'est ce qui était écrit dans l'accord. Il y a pour une résolution qui prend disposition qui est contraire à l'accord. Ensuite, il y a prend un autre élément dans la résolution. Il dit que décision a faite par une majorité qualifiée. Or, résolution ça yo, yo successive, yo vient après l'accord, yo modifie l'accord. Or, CPT n'a pas de capacité pour le modifier à quoi, parce que à quoi sont documents qui signent entre les parties prenantes. Donc, ce n'est pas ce que vous mettez tête dans ces bagages irréguliers au départ qui fait venir tomber nos pilotes bagages irréguliers. À qui ça n'a pas tenu le 7 octobre? Et on a étudié n'importe quel temps. Nous étions donc une question que je me suis posée tout à l'heure, bon, nous n'avons pas parlé sur lui. Il y a un peu de monde qui a appelé Oney Ovelé pour Edgar Le Blanc-Fils continuer en tant que président du conseil. Par contre, qui j'ai pour Edgar Le Blanc-Fils continuer. Puis je lis même ici, il y a un bagage qui dit que c'est président Spounette. Est-ce que vous prenez l'autre résolution pour changer le principe ça? Non. Donc, nous venons tomber dans des autres. Depuis le bail a monté avec 9, mon homme dit nous ça n'a pas jamais marché. Donc, quand il n'y a pas de règle. Donc chaque matin, on est capable de mettre les règles. Parce que je dis premièrement, pour une décision prendre, il faut que c'est 5. Bon, je dis, il n'y a pas jamais pour une décision parce que il n'y a pas de joindre 5 monde. Parce que 3 messieurs qui ont fait, normalement, ils ne sont pas supposés faire décider dans la majorité. Mais qu'il y a ces raisons ça même qui poussent avec l'inspection ça. Est-ce que n'est pas bon pour M. Edgar à continuer le mandat? Étant donné que alors, il y a un conseiller qui t'a dû remplacer dans le mois d'octobre, il est impliqué dans le scandale de corruption de BNCA. Mais c'est ça, Mabdou. C'est pour ça que ça n'a pas là, c'est ça, relé. En français, il y a relé ça, ce sont des éléments qui sont conséquences et des ordres initiales. Il n'a pas là, ce sont des épiphénomènes. C'est pour un phénomène. Oui. Ces bagailles, ils ont mis 9 personnes à diriger. C'est le problème, non? Donc, il y a tout faux problème, des problèmes apparents. Par exemple, problème Kony a déplacé en vent. Ça va pas arriver, puisque Kony n'a pas dit qu'il a déplacé en cachette. Kony, son récidiviste, il a fait ça déjà. Au point où il est venu, il a blâmé. Peut-être qu'il était parti pour contrer, il font délégation de parti, la règle a fait l'État haïtien. C'est à 3h du matin, la visée Negro, la partie le même jour. L'Elvini au blâme. Il refait ça encore. C'est pour les qu'on était fini faire délégation, l'Elvini va aller au port, il n'y a pas de parti. Et puis, les salles tapent tourner, viennent demander à mon cap diriger le pays. Oui, même ta parti, il dit pas de parti, ça passe. Donc, c'est quand on dit mon ou mal élevé. Et puis qu'on y a fait un fête la carrière en public et puis tout le monde est tombé vers l'obéi. Donc tout problème non c'est Jean CPT à Montéa, règle de base yo que yo crasé et puis qu'on y qui s'en est rentré puis il a profité de des autres là. Ouais combien de temps est passé? 4 mois. Il a pris l'affaire pouvoir personnel pour résoudre un demi problème que la population a. Les gens qui étaient chassés, qui étaient caillou, car dans l'école yo, toujours dans l'école yo, pas de solution. Si vous voulez entrer dans l'école, vous n'avez pas qu'à entrer dans l'école, vous n'avez pas de solution. Matisse est toujours fermé, Canan est toujours fermé. Vous n'avez pas de route pour résoudre les problèmes qui concernent les populations. Vous n'avez pas de 3 mois pour voir qui est-ce qui est le chef passer l'autre. Merci. Merci beaucoup.